Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Bien, chers élèves, bienvenue à ce cours de défense contre les forces du mal. Professeur Rogue, voulez-vous qu'on fasse un petit essai, s'il vous plaît? Et c'est là que le professeur Rogue, il balance un bon vieux Expelliarmus et Gildor et Lockhart, il peut absolument rien faire. Bref, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais est-ce qu'on m'entend déjà pour commencer? Parce que... Ouais, mais j'ai l'impression que le jeu on l'entend pas. J'ai l'impression que le jeu on l'entend pas du tout. Faudrait que je fasse un truc. C'est... Là. Ah, mais. Ah, non, je vais. Et là. Et là, et là, et là, et là. Ouais, on entend, mais le truc c'est que je me dis si jamais il y a des discussions derrière. On pourra... Et là, si on met. Bon, ça doit être bon. Bon, ça doit être bon. Oui, tranquille. Allez, on arrête nos conneries là. Il s'agirait peut-être de baisser le son. Voilà, le test, on va dire que c'est concluant. De toute façon, on en a rien à foutre. Bref, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, ça va très bien. Nous sommes le 13h30 et il est dimanche 20 octobre 2024. Alors oui, les 11 ans, c'était hier. Ouais, on s'en tape. Tout le monde s'en tape. Parce qu'on a tous mieux à faire de nos vies que ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire année compliquée. Enfin pas année compliquée. Année compliquée niveau productivité. Parce que j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs et pas assez de temps. En fait j'ai découvert cette année la vie d'adulte. J'ai découvert la vie d'adulte de manière définitive. Hein, donc fin d'école l'année dernière. Attends, ouais. On est en octobre 2024. J'ai fini mes cours. Fin juin, j'ai rendu mon mémoire en octobre 2023. Attestation de réussite reçue en février de cette année. Je viens de gaspiller une mandragore. Oh là. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, on a ça. On dirait un peu l'entrée du château de Hyrule dans Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Là, on va dire que genre là, il y a le fort je sais pas quoi. Et puis là, tu entres. Et là, t'as l'affaire Ignacia. Et puis voilà quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, ça a été compliqué. Enfin, compliqué niveau productivité. Pourquoi? Parce que... Parce que ouais, du coup, j'ai entre ça, le mémoire, tout ça à finir, l'attestation de réussite, ça, que j'ai reçu en février, le diplôme a été reçu cet été, enfin, je suis allé le chercher cet été, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, bah, début de la vie professionnelle, et on n'a plus le temps, du coup, je suis resté, la chaîne principale est restée inactive pendant peut-être 6 longs mois. Oui, j'ai pas encore allé au Mora. Ouais, mais pendant 6 mois, j'ai rien eu, quoi, donc... j'ai rien pu faire. J'ai pu recommencer, là, il y a quelques semaines, mais là, pareil, je sens que ça pêche niveau temps, pour être productif. Donc, là, c'est pour ça que cette semaine, il n'y a rien, parce que du coup, bah, j'ai la vidéo le live des 11 ans, mais vraiment, je crains une nouvelle période où je vais rien pouvoir poster, parce que j'ai pas le temps de poster quoi que ce soit, et surtout mon temps libre je l'utilise pour faire autre chose que faire des vidéos. J'utilise pour écrire, et oui, j'ai retrouvé la motivation cette fois-ci pour écrire, pour reprendre mes livres. Voilà, donc là je suis sur 4 projets d'écriture en même temps. C'est trop. Et mais voilà, mais encore une fois, je n'ai pas le temps, je manque de temps pour tout. C'est terrible. Talent, alors, est-ce que j'ai débloqué des trucs? Finalement, j'ai un point dispo, ça c'est... Je l'utilisais pour... Tiens, ça pourrait être pas mal, ça. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire en quête?
Et les clés du dédale. Non, bon, on va se balader un petit peu, sinon. Hein, on va pas avancer dans l'histoire principale ni rien. On va se balader. Donc voilà, pour la vidéo des 11 ans, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de très original. On va faire plusieurs jeux en vrac. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, on est un petit peu sur Hogwarts Legacy. J'ai recommencé Hogwarts Legacy, du coup, pour préparer la critique du jeu. Je pense que je suis arrivé à la moitié, voire deux tiers. Donc, je pense que j'ai tous les éléments nécessaires. Peut-être que je vais faire encore une mission principale, voire deux. Et puis après, j'aurai tous les éléments qu'il faut. Et après, donc voilà, pour Hogwarts Legacy, ça c'est bon. Et j'ai plusieurs vidéos qui sont en cours de préparation. Quand j'ai commencé Tears of the Kingdom, j'ai commencé aussi. Enfin, l'écriture est prête, donc là maintenant il n'y a plus qu'à faire le montage. Et puis on sera bon, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de vidéos comme ça. Et après, je vais essayer d'en préparer quelques petites aussi, histoire de me laisser du temps, parce que sinon ça va pas le faire. Sinon, ça va vraiment pas le faire. Parce que j'ai pas le temps, encore une fois, j'ai pas le temps. Et je pars en vacances la semaine. Putain, mais je pars en vacances dans 6 jours. En fait, il y a eu aussi de ça. Il y a eu ça aussi, c'est une raison qui fait que j'ai été moins actif. J'ai passé mon année en vacances. Je suis pas au niveau 18. Je suis pas au niveau 18. Je peux pas passer au niveau 18. Oh! Et ouais, j'ai passé mais vraiment ma vie en vacances. J'ai fait combien de pays cette année? Cette année, du coup, j'en ai fait 4 pour l'instant, 5 la semaine prochaine, et il y a eu un jour en Espagne. Bon, là, l'Espagne, ça compte pas. Quoique, non, vas-y, l'Italie non plus, on va dire que ça compte pas, parce que je suis resté de 24 heures, même pas. Je suis allé pour avoir... Franchement, je suis allé en Italie pour voir un match de foot, j'ai fini, je suis rentré. C'est... Voilà. Réveillons. Alors, Réveillo, qu'est-ce que tu nous as Réveillo, un petit coffre. Si ça c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Il n'y en avait pas un quatrième? Non, non, bon on a tout récupéré, on a tout récupéré. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc oui, c'est pour ça que j'ai pas été hyper productif, pas hyper actif. Je ne garantis. Je garantis absolument rien pour l'année prochaine. Voilà, très clairement. Je suis arrivé à un point où je me suis dit, est-ce que c'est même pas l'occasion de... Pas forcément d'arrêter, mais de partir sur un nouveau truc. Parce qu'en fait, le truc, et ça j'en avais déjà parlé une fois, c'est qu'en fait, préparer une critique écrite, construite, de... Enfin, construite. Vraiment un truc écrit de 5 minutes. Vraiment un truc écrit de 5 minutes, vraiment très rythmé et tout. Ça prend... Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que... C'est pour leur bien. Hein. C'est vraiment pour leur bien qu'on a fait ça, vous inquiétez pas. Mais... Bonsoir. Ah ben voilà. Si dame. D'accord. Ok, et ben il nous traverse. Tout va bien. Oui, et c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est pas l'occasion de peut-être tenter un nouveau truc? Parce que moi, franchement, moi j'aime bien hein, le format court comme ça, qui fait 4 minutes, 5 minutes. Moi j'aime beaucoup, mais bah, le problème c'est que ça prend du temps, mais ça prend un temps pas possible. Et ça prend vraiment beaucoup plus de temps que de faire un truc bah, comme on faisait à l'ancienne. Hein, c'est-à-dire les vidéos qui pouvaient durer 30 minutes, 40 minutes, voire plus, mais là on parlait d'une traite. Il y avait beaucoup moins de montage à faire, alors que là maintenant, bah voilà, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, je vais me laisser une année. Je vais me laisser une année pour voir si j'arrive à tenir. Et si j'y arrive pas, j'arrête. Et puis, soit je reviens à l'ancienne, soit j'arrête complètement et je reste sur les streams parce que. Pareil, je sais pas. En fait, je sais pas. Je me dis au bout d'un moment, c'est bon, en fait, on a fait le tour, on a vu le truc. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester, continuer à faire la même chose? Aucune idée. Très franchement, aucune idée. Mais bon, dans le doute, je continue quand même parce que j'aime bien.
Mais je me dis, si autant d'efforts pour des résultats du coup qui sont même moins bien que sur mon ancienne chaîne, parce que bah du coup là dans le meilleur des cas je peux taper des 300 vues, alors que quand même j'avais des vidéos dans l'ancien format qui avaient dépassé le millier de vues. Je pense même à une vidéo qui avait dépassé les 10 000 vues. Ah, comment je m'étais plus senti pissé après ça. J'étais à 10 000 vues, quoi. Oh, je me suis senti trop trop beau. Alors là, laissez tomber, mais c'est bon, voilà. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais bon, il y a de ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, maintenant, la vie d'adulte, ben, on a d'autres responsabilités. Le travail, ça prend du temps. Et le temps libre, je préfère le consacrer à faire autre chose. Voilà, j'aime bien, ben, notamment écrire. Notamment écrire. Là, franchement, je reprends goût à l'écriture. Le tome 3 de Chrysalis, je vais le finir un jour. Je vous garantis que je vais le finir un jour. Je sais pas quand, mais. Et... Non? On peut pas les tuer? Non, ils sont invincibles. La magie. Pas de magie, pas de sorcier. Et là, un mur invisible. Et pourquoi on a un mur invisible? Parce que c'est là qu'arrive le Hogwarts Express. Le Hogwarts Express. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Et je vais vous dire pourquoi c'est incroyable. Et après, on va changer de jeu. Ce qui est incroyable, j'étais en Écosse du coup de l'année dernière. Alors, le château n'est pas vrai. Voilà, enfin, le château n'existe pas. Il n'y a pas de château. Mais. Comment dire, je vais pas non plus dire ah tiens je reconnais ça, tiens je reconnais ça, mais ce qui était impressionnant, c'est que les décors étaient vraiment fidèles à la réalité. C'est bah en fait non, c'est vraiment ils ont repris le décor, bah, le décor original, enfin le décor originel, enfin le paysage originel, du coup c'était à Glencoe, Glenfinnan. Je crois que c'est Glenfinnan parce que Glencoe c'est un peu plus au sud. Et du coup, oui. Et du coup, voilà. Par contre, enfin, les montagnes et tout ça. En fait, tout le décor, tout l'environnement était vrai. Et du coup, dans Harry Potter, en fait, ils ont juste rajouté le château. Ils ont juste rajouté le château, mais sinon, pour le reste, en fait, tout est absolument vrai. Si vous allez sur place, vous reconnaissez parfaitement l'endroit. Vous reconnaissez parfaitement l'île où est censé. Il se passe un truc à la fin du tome 6, début du tome 7. Bon, je vais pas en parler parce que vas-y, il y a des gens qui. Il y a des gens, si ça se trouve, ils ont pas encore lu Harry Potter. Mais voilà. Voilà. Et donc, du coup, il allait là-bas et tu vois, tu te dis, ah, tiens, je reconnais l'endroit, quoi. C'est assez dingue, mais. Mais bon, tiens, une épreuve de Merlin, et ça, je vais pas m'en occuper. Et je sais plus où c'est. Parce que du coup. Pareil, on a vu, j'ai vu le Poudlard Express débarquer pour de vrai. Et ça, c'est un truc incroyable. Et ça, par contre, je crois que c'est un vrai train. Bon, c'est pas le train qui t'emmène à Poudlard, quoi, mais je veux dire, il t'emmène jusqu'à l'équivalent Pré-Hollard et voilà, c'est plus pour l'aspect. Ils ont vraiment mis un vrai train en circulation pour ça, quoi. Donc voilà, je trouve ça assez dingue de voir à quel point la fanbase de Harry Potter est hyper impliquée dans plein de trucs. Après, je dis pas. Harry Potter, c'est. J'ai beaucoup aimé quand j'étais petit. Vraiment, je dis pas le contraire, mais j'ai adoré Harry Potter quand j'étais petit. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Et même si je joue. J'avais énormément adoré l'univers d'Harry Potter quand j'étais petit. Parce que je trouvais que c'était facile à lire. Il y avait plein de détails, plein de choses comme ça. Donc, ça, maintenant, aucun. Voilà, ça, aucun problème. J'ai pas vraiment fait les jeux Harry Potter, j'ai fait les Lego Harry Potter, j'en ai fait quelques-uns aussi, mais vraiment vite fait. Mais je pense qu'il faut avouer, je pense que la saga elle a fait son temps. Elle a fait son temps, pourquoi? Parce que là, on a eu le jeu Hogwarts Legacy qui est vraiment très bien, je trouve, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de nouveau. On est vraiment sur quelque chose de nouveau et c'est vraiment très très bien. Je me demande s'il y aura une suite. J'espère qu'il y a une suite quand même, parce que le premier Hogwarts, enfin ce Hogwarts Legacy a un bon concept. Il y a pas mal de choses qui vont pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas, et c'est pas parce que c'est Harry Potter qu'il faut pardonner. Voilà. Et en vrai de vrai,
je pense même la licence Harry Potter, elle vient un peu sauver pas mal de choses parce qu'il y a vraiment il y a pas mal de trucs qui vont pas. Mais c'est pour ça que je me dis s'il y a une suite, il y a des choses qui doivent vraiment être améliorées. Mais ça, on en parlera un peu plus dans ma critique du jeu. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, là c'est bien parce que ça, on part sur quelque chose de nouveau. Les animaux fantastiques, et on a les animaux fantastiques avec les aventures de Norbert, de Norbert Dragonneau. Le premier film était très bien et les films d'après ils ont été mais vraiment nuls, vraiment nuls de chez nuls. Le premier était vraiment bien. J'ai tenté de revoir le deuxième. Oh, j'ai lâché au bout de 15 minutes. Parce que vraiment, j'en pouvais plus. C'est pas. Et puis, surtout, enfin, le dernier film, Les Animaux Fantastiques, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. La fin, elle est catastrophique. Bon, bref. Et là, avec la saga. En fait, pourquoi je dis que la saga Harry Potter, elle a fait son temps? Mais parce que surtout. Là, je crois que c'est quoi, c'est HBO qui va refaire la série, enfin qui va refaire la saga entière en série, donc avec 7 saisons. Si c'est pour revoir exactement la même chose, c'est pas la peine en fait. Il y a déjà les films, il y a déjà les films, il y a déjà les livres. Faut dire si vous faites des séries sur l'univers d'Harry Potter, faites un truc nouveau, mais refaites pas exactement la même chose. C'est voilà. C'est pour ça que moi je dis. Moi, j'ai l'impression qu'elle a fait son temps, la saga, parce que, ben, si c'est pour recycler les mêmes concepts, limite, t'aurais fait une saga, enfin, t'aurais fait une série, je sais pas, moi, sur la jeunesse de Dumbledore, ou que sais-je. Mais là, on va vraiment se retaper les mêmes choses. On souffle. Donc voilà. Mais bon, c'est. Voilà. Là, c'est pour ça aussi que Hogwarts Legacy, il est bien, parce qu'on part sur quelque chose. De nouveau, on part vraiment enfin sur quelque chose de nouveau. On part sur une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. On est toujours dans l'univers d'Harry Potter, mais du coup avec Professeur Black qui est du coup, enfin je crois c'est l'arrière-grand-père de Sirius, qui est du coup le directeur parce que bah ça se passe à son époque. Voilà. Donc là-dessus, oui c'est assez fidèle, il n'y a pas de problème et tout. Il n'y a pas de problème. Réveillon. Qu'est-ce qu'il me fait? Non, ils veulent pas la fermer, tant pis. Donc ouais. Et après oui, Hogwarts Legacy en soi c'est une bonne expérience, mais après c'est un jeu on va dire pas générique non plus, mais qui est assez classique quoi, donc il se démarque pas suffisamment du reste. On va juste aller là. Le hangar à bateau. Rébellion. Là, c'est quoi ça? Incendio. Merci. Hop là. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Alors, il y a quoi? Il y a le fait de transplaner, t'as le vol en balai, t'as les portes loin, donc toi, ta poudre de cheminée, tu te la mets là où je pense. Voilà. Mais voilà. Qu'est-ce que. On va changer de jeu. On va changer de jeu. On va faire. On va faire du Metal Gear. On va faire du Metal Gear. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du Metal Gear. Du Metal Gear Solid 5, je précise, hein, parce que. Ah mais si, je suis con. Premier épisode de Peace Walker, j'ai joué à MGS5, mais sur PS3, donc ça compte pas. Non, on est sur la version PS4. Que je mets sur PS5 parce que bah, c'est plus pratique. En ce moment, c'est la PS5 que je joue. Et... La PS4, elle fait du bruit. Elle souffle. Au moins, la PS5, elle fait pas de bruit. Elle souffle pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, 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 très bien. Ils sont à faire. On va changer. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Ah, mais je suis con! Ok, j'ai compris. En fait, je voyais sur mon écran d'ordinateur qu'il y avait plein de trucs qui étaient en train de s'afficher en même temps. Je me demandais pourquoi. Mais en fait, c'est parce que j'avais un bouton qui était appuyé. J'avais un câble qui était vraiment en train d'être appuyé sur un bouton en de. Bref, voilà.
Alors, Metal Gear Solid 5 de Phantom Baguette. Voilà. Donc, continuez. Oui. Alors, récompense. Alors, quelle récompense on a? Merci. Gestion de la base. Qu'est-ce que je peux développer? Absolument rien. Et on va faire une. On va faire une petite mission. On va faire deux petites missions sur MGS5 et puis après on va. Ouais, on va aller là. Et on va entrer par là. Et on va prendre Didi parce que je crois qu'il y a pas mal de gens en intérieur. Didi. Voilà. Ben non, tu sais quoi? Non, non, vas-y, flemme, on va prendre Coyette. Dès que possible, je m'en tape de l'heure, je suis pas compliqué, vous savez, moi. Peu importe l'heure, tout m'arrange. Simple. Point de contrôle, blablabla, on débarque. Et là, je crois que là, par contre, le son est un peu plus fort, non? Un jour, je vais écrire la critique de MGS5. Je suis en train de préparer MGS2 et MGS3 également. Je pense qu'on devrait être à peu près sur du 6 minutes, 7 minutes la vidéo. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que MGS5, je vais vraiment, même en étant concis, vraiment en voulant vraiment faire un truc de structuré à l'écrit, même là. Même là, j'ai l'impression que si je fais une vidéo sur MGS5, la vidéo va durer 30 minutes facile. Même en ayant tout écrit, parce que le truc, c'est que Metal Gear Solid 5, t'as beaucoup, trop de choses à dire. T'as trop de choses à dire sur Metal Gear Solid 5. Tu peux pas juste en dire c'est un bon jeu, c'est pas un bon jeu, ça va pas. Tu peux pas juste dire ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Metal Gear Solid 5, mais vraiment. Mais un jour, ouais, un jour je vais préparer la critique dans je sais pas combien de temps, mais il y en aura des choses à dire. Là, je crois pour l'instant la vidéo la plus longue que j'ai écrite, alors que j'ai écrite, hein, pas publiée, parce que publiée, la vidéo la plus longue que j'ai publiée, ça a été The Last of Us Partie 2, qui a duré 12 minutes, mais la plus longue que j'ai écrite, c'est Death Stranding. Et Death Stranding, vu comment je l'ai écrite, elle pourrait durer 16, ouais, 16 voire 17 minutes. Parce qu'il y en a des choses à dire sur Death Stranding aussi, donc. Attends. Je vais juste regarder. Ils ont des protections ou pas? Ils ont des protections, ouais, vas-y. Attends, vas-y. Dis-moi que t'as pas de casque. Dis-moi que t'as pas de casque. Il a un casque. Et vas-y! Voilà! Voilà, merci! Attends, c'est par où qu'on monte? C'est par où qu'on monte?
Et par là. Wesh. Le con. Hop là, petit cadeau. Attends, mais... Ah mais non, mais ça c'est une porte. Y a pas de... Y'a pas de conteneur. Oh, les conteneurs, ils sont où? Eh oh, les conteneurs. Non, pour monter, c'est comme ça. Là, je sais même plus jouer au jeu. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors, j'ai récupéré des gerbilles. Waouh. Un grand corbeau. Un hérisson. Et un rôdeur. Voilà. Bon, c'est cool, j'ai sauvé des trucs. Épisode 2 de Peace Walker, je sais pas quand. Je sais pas quand du tout. Bientôt, j'espère. Mais voilà, parce que Peace Walker est, ma foi, plutôt sympathique. Et on va quand même... non, pas gestion du personnel, c'est pas ça que je veux voir. Base de données. Encyclopédie. Ok, donc ça, je l'ai pas trouvé, faut que je trouve. Ça, j'ai pas... Ah, j'ai récupéré un pangolin, ça oui. Ça oui. Super rare. Ouais, bah ça, écoute. Nous, nous, en 2020, il était devenu très commun, hein, donc bon. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas passer à Metal Gear Online. Non, mais on va changer de jeu. Hein. On va changer de jeu. On va mettre Death Stranding. Voilà. Je vous ai dit, une petite compilation de jeux parce que je sais pas quoi faire de ma vie, et puis voilà. Je vais peut-être sortir après prendre l'air. Ouais, je vais faire ça. Je finis mon live et après je sors. PlayStation Cinematic Universe. PCU. Alors, Death Stranding Director's Cut. Alors, au moins l'avantage, c'est que sur PS5, voilà, la partie est déjà chargée. Oh misère. Oh punaise, je sais ce que j'étais en train de faire. Mais on s'en fout. Alors. Rambé, je m'en tape. Sam, je viens en nouvelle. Est-ce que vous lisez vos mails? Non. Vous pourriez y trouver des informations utiles. Non. Portez une attention. On s'en tape. Et là, c'est... Ouais, on est sur les UCR, ok.
En fait, j'essaie de faire un truc maintenant quand je joue à Death Stranding, c'est de mettre tout le monde dans les UCA parce que bah, y a un trophée si jamais on a réussi à relier tout le monde aux UCA. Et bah, pour l'instant, à ceux qui ont un objet jaune. Ils sont prioritaires. je m'en fous. Prenez donc l'habitude de consulter votre message régulièrement. Et en fait, ouais, si on regarde la carte, ici, dans cette première zone, tout le monde a été UCAisé, sauf lui. Lui, parce que j'ai fait aucune mission ici. Et je crois qu'il y a un truc ici aussi, mais je sais pas où il est. Donc voilà. Et en plus, j'ai mis tyrolienne, quoi. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce que t'as comme mission, toi? Non. C'est quoi? On va faire ça. Ça. Il n'y a pas non, livraison prévue. Ok, on optimise et on est bon. Mais je sais pas pourquoi je fais ça, parce que ça va très très mal se passer. Pas de... Non. Ok, donc on a 45 minutes pour livrer tout ça. Bon. Oui, voilà, merci. Organisation automatique. Voilà. Non, mais je peux pas, hein. Ah, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Ok, et eh ben écoute, on annule et puis let's go. À bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt, ouais.
Ah, c'est juste un truc de musique, ça. Je pensais que c'était un abri. C'est bon, j'ai tout pris, j'ai tout pris. Alors. Et là, les ennuis commencent. Alors, oh misère. Pourquoi? 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 Ok, il n'y a rien devant nous. On va peut-être reposer. Sam, il va se reposer. Il en a besoin. Voilà. On va boire de la Bridge Energy. Ah, de la Bridges Energy. Voilà, on récupère. Et on peut reprendre. Nous reprenons. Alors, oh putain, non, c'est vrai. Sam, au moment où je vous parle, du bloc s'échappe de votre caisse. Sortez vite votre spray colmatant ou foncez dans un abri de précipitation. Si ce n'est pas possible, alors dépêchez-vous d'atteindre votre destination. Le personnel sur place vous aidera. Blague, c'est une blague. Attends, mais on va faire une autre commande dans ce cas. On va juste on va se contenter de faire celle-là. C'est une commande parce que ton truc avec du Vogue ça dégage. Ah, oui, on va peut-être prendre deux échelles du coup parce que je crois qu'il y a besoin d'échelles. Tac. Voilà, on s'organise, tout est bon. Et on part. Voilà, et on peut y aller. Paramètres de livraison mis à jour, temps limite enregistré. Ah bah là, t'inquiète pas que je vais bien faire attention, hein. Je vais tenter un truc. Eh, soyons fous. Ah.
J'ai vraiment osé sortir, soyons fous. Pour prendre une moto. Ah mais c'est bon, c'est bon, c'est même pas la peine que je lutte. C'est bon, je... Vas-y, tue-moi. C'est quoi? Voilà. Bon. Ça faisait longtemps, mais très, très longtemps que je n'étais plus mort. Oh, j'ai carrément oublié à quoi ressemblait la mort dans le jeu. Moi, je sais pas où je suis. Il est où mon corps? Ah, je suis là. Je suis où? Je suis où? Il est où mon perso? Voilà. Oh misère. Et du coup, est-ce que j'ai déjà tous mes outils? J'ai même pas mon matériel. J'ai même plus mon matériel. Y a plus. Oh mais c'est une cata. C'est une cata. Oh la vache, bah non, j'ai même plus de matériel moi, c'est foutu hein, la mission elle est finie. Bref, on va changer tout. Oh la vache, la misère. Allez, avant-dernier jeu, et puis après on s'arrête encore, la vache. Oh la misère. C'est pas très malin de ma part, mais bon. Oups. Vous avez compris les enfants, prochaine fois, soyez prudents. Ne tentez jamais de faire les fous quand vous avez des échoués à 10 mètres de vous. Parce que là, catastrophe complète. C'est vraiment, c'est un désastre. Mais bon, pourquoi? Pourquoi pas? C'est... Bon, je me remets sur The Witcher parce que depuis quelques temps sur YouTube, je fais que d'avoir en recommandation, je fais que d'avoir des vidéos de The Witcher 3. Du coup, bah, c'est l'occasion de rejouer à The Witcher 3. Voilà. Alors, je suis où? Je suis à Beauclair. Est-ce que je suis en mission? Non. Est-ce qu'il y a une mission? Non, ça s'appelle l'inventaire. Quête secondaire, blablabla. Putain! Ça, je l'ai, mais j'ai pas, ça n'a pas été enregistré.
Oh, misère. On va aller réclamer notre récompense au roi des mendiants. Bon, ça s'est verrouillé. Attends, mais tu es où là? Le beau, je suis. Arrêtez de pleurer. Ok, c'est. Faut que j'essaie de retrouver les. Enfin, de. C'est quoi les commandes déjà? Ok, voyage rapide. Et Novigrad. Et on va aller. Ouais, on va aller là. Nous allons ici. Puis voilà. On tourne en rond, mais on tourne en boucle. Et on sait pas ce qu'on fait. On joue sans trop savoir, là, c'est vraiment. Alors, Novigrad, l'île, enfin, ville qui a sombré. Qui a sombré sous le. Sous le fascisme du roi Radovid. C'est littéralement ça. Attends. Mais... Attends, mais non, mais le roi des mendiants, c'est pas du tout par là. Faut faire le tour, non? Non, ça c'est quoi? Il n'y avait pas une autre aussi. Merci. Voilà. Tu devrais mieux choisir tes hommes. Rico s'est fait repérer comme un débutant. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai fait quitter la ville. Il t'a promis une récompense, j'imagine. En effet. Eh bien, elle est à toi. C'est tout? Ah. R litre. Bon, ça c'est des trucs qu'on va les vendre tout de suite, hein. Bon, ça c'est des trucs qu'on va aller vendre tout de suite. Alors, la grande place de Novigrad, elle est là, non? Non, ça, non, c'est pas ça. La ferme. J'ai pas le temps. Une arme aiguisée? Alors. Voyons ce que vous avez. Et moi, qu'est-ce que je peux vendre? Alors, est-ce que ça, je peux... Putain, bon, ça dégage tout de suite. Voilà. Et l'épée, la litrie à bidule. On va mettre par poids plutôt. Ouais, ça dégage aussi. Ça dégage. Pour le reste, on est bon. Alors, réparer. J'ai pas une option de tout réparer. Ah, mais non, mais moi, dans ce qui est équipé, j'ai tout. Mais comme on a de l'argent à dépenser, parce qu'on a passé beaucoup trop de temps dans The Witcher 3. Adieu. Adieu, voilà, casse-toi. Attends, est-ce que la banque elle a des trucs à me dire? Alors, Vivaldi. Pourquoi puis-je vous aider? Comment vont les affaires? Maintenant, je m'en Vraiment, vous fous. n'avez rien de mieux? C'est un peu comme demander à un pêcheur Bah oui, si sa mort il a raison. ou à une mémé si sa santé est bonne. Les affaires sont florissantes. C'est toujours le cas en temps de guerre lorsqu'on sait s'y prendre.
avant même que le Nilfgaard traverse le pontard, j'avais passé commande de bois et de fer au Kovir. Ça m'a rapporté 7 fois la mise. Bien. On pourrait le croire, mais c'est sans compter l'impôt sur les non-humains, le denier du culte, l'effort de guerre. Une fois tout soustrait, il reste une misère. 10 ou 12 coffres, pas davantage. J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Ouais, 71 couronnes, ok. Bon, bah, c'est toujours ça à prendre. Quand on est au début du jeu, oui, quand on est en galère, on, voilà. Quoi. Mais là, des couronnes, j'en ai 12 000, donc... Alors, est-ce qu'on va faire... On se construit une petite mission. Une petite quête secondaire... Non, mettons de Gwent, ça, j'ai pas envie, j'aime pas le Gwent. Trade sorceleur. Il est où mon cheval? Il s'est coincé. Là. Vas-y, Ablette. À propos d'Ablette, il y avait eu un truc, je crois, par rapport à la série The Witcher, où en gros, quand Geralt s'était retrouvé à un autre endroit. Et on avait demandé, oui, mais comment ça se fait qu'il ait toujours un cheval qui s'appelle Ablette avec lui? Et je crois que Netflix avait répondu quelque chose du style, bah, c'est un cheval magique, donc il suit Gérald n'importe où. Alors que je crois que la vraie explication, c'est... je crois vraiment qu'on... Ouais, Netflix, je crois que le compte Netflix français avait répondu ça sur Twitter. Et je crois que la véritable explication, c'est qu'en fait, Gérald, tous les chevaux qu'il trouve, bah, il les appelle Ablette en fait. Je crois que c'est la véritable explication. Mais je crois que dans les livres, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Bougez-vous. Après, The Witcher 3 n'empêche quel jeu c'est. En fait, je dis quel jeu pour sa rejouabilité, quel jeu pour son contenu, quel jeu pour l'immersion et l'univers qui est présent. Parce que il y a des choses par contre qui vont vraiment, mais vraiment pas dans The Witcher 3. Alors là, le gameplay du jeu, il est atroce. Il est vraiment... Mais non. Mais laissez-moi avancer, il se passe quoi? Encore un? Rentre chez toi comme les autres. Ayez pitié, messieurs. On n'a nulle part où aller. Pour nous, c'est Novigrad ou la mort? J'en ai mal. Dégagez ou je vous fais embrocher. Ils sont aux abois. Laissez-les passer. Je ne vois pas où est le problème. Putain de merde, combien de fois il faut que je le répète? Les ordres sont clairs. Sans sauf-conduit, personne ne passe. Laissez passer ces gens. Oui, chef. Oh, merci. On n'a nulle part où aller. Novigrad, c'est une chance de recommencer à zéro. Évitez les routes. Vous risquez de tomber sur une autre patrouille. On ne reprendra pas. On va être aussi prudent que des lièvres en hiver. Il est malade, hein. Vous avez été coulé dans un autre moule que nous autres. Comme ces héros d'antan qui est dans le tombeau, près de la colline de Torsichine. Le tombeau est dans une caverne, à flanc de colline. Cuterrier est au pied. On dit qu'il y aurait un magot énorme là-dedans. Vous pourriez y trouver quelque chose qui vous botte. Bonne chance. Merci. Voilà, on reprend notre route direction Oxenfurt. Qu'est-ce que tu veux en faire? Hein? Putain!
Et commencez à me parler poliment. Voilà, voilà, voilà pourquoi y a pas, je dis que le gameplay de The Witcher 3 ne va pas, parce que Ablette se déplace n'importe comment. Voilà. Mais pourquoi il s'arrête? Personne lui a dit de s'arrêter. Vas-y, allez Ablette, vas-y, du nerf, allez Ablette. Mais qu'est-ce qu'il fait? Personne t'a demandé d'aller là. Je suis un peu de mauvaise foi, mais je trouve vraiment que le gameplay de The Witcher 3, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont pas. Au moins, le jeu est à la troisième personne, parce que bon, vous m'excuserez, mais... Ah là là, on a des souvenirs assez sombres de The Witcher par ici. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça, cette serpillère grise sur ma tête? Ça raconte quoi? Alors, le mercenaire Hans. C'est vous qui avez posté l'annonce? Oui, c'est moi, Hans de Sidaris, capitaine mercenaire. Je cherche quelqu'un pour tuer un monstre, ça vous intéresse? De quel genre de monstre s'agit-il? Ça, j'en sais foutrement rien. Radovid nous a engagés, mes hommes et moi, et la solde tarde à venir. Moi, je veux bien risquer ma peau, mais pas gratuitement. Je suis bien d'accord avec vous. Mais parlez-moi plutôt du monstre. Oui. Oui, oui. Juste après avoir monté le camp, on a découvert qu'une bête... Une bête rôdait dans les parages, machin... Pierre des Hinks ne sont jamais revenus. Je sais pas à quoi on a affaire, mais... Quelle noblesse d'âme. Oh. Les mercenaires aussi ont le sens... Parlons affaires. Alors, on va mettre combien? Si j'avais su, je me serais occupé moi-même du monstre. Enfin bon, c'est d'accord. J'accepte. Je commence par où? Au sud d'ici. C'est là que j'ai vu Gerd et Hank en vie pour la dernière fois. Ok, alors, let's go. Avec une bonne semaine de retard. J'essaye de nous avoir. Au galop, Ablette. Allez, Ablette. On va voir, on va aller enquêter. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Non, 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 surtout pas. J'ai pas le temps avec toi. Alors. Non, mais non, tu. Voilà. Mais non, je veux pas monter sur Ablette. Je veux enquêter. Voilà, alors. Les marques de griffes et de crocs. L'armure est en pièces. Ok. Pas de signe d'un autre corps. Un monstre volant. Il a pris le deuxième corps dans ses serres pour le rapporter au nid, mais certains morceaux lui ont échappé. Bien, que je vous y reprenne plus. Je remonte la piste morceau par morceau. Alors, morceau par morceau, voilà. Ils sont où les pas après? Se termine ici, les charognards ont tout nettoyé. Et crotte de plus. Mais s'ils ne sont plus là, c'est qu'ils ont trouvé le reste du corps. Mais qu'à suivre les croisements. C'est la première fois que j'ai à entendre, je crois, des bruits pour pouvoir avancer. C'est assez spécial, mais c'est assez pourquoi pas.
Donc, après le crépuscule, ok, bah écoutez, on va attendre 19 h. C'était pas compliqué. Ce n'était pas extrêmement compliqué. Voilà. Voilà. Maintenant, on va retourner auprès de Hans. Alors. Ablette est déjà là. Parfait. Par contre, l'optimisation des trajets avec la carte, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Regardez. Non, non. Ah, maintenant, vous pouvez pas voir de toute façon parce qu'il y a ma tête dessus, mais. Vraiment, l'itinéraire que nous indique la carte, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors, des nouvelles? J'ai tué le monstre. C'était un griffon. Un archi-griffon, pour être exact. Je vous suis reconnaissant, sorceleur. Archi reconnaissant, mais... Tenez, votre récompense. Merci. Et à l'avenir, n'attendez pas qu'il y ait des morts pour engager un sorceleur. Voilà. Si ça, c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Bon, dernier jeu. Dernier jeu avant de... Dernier jeu avant de s'arrêter. Et quoi d'autre que... Alors, on va changer de jeu. Hop. Ah, j'aime trop. J'aime trop changer de disque. Ça, c'est beau. Hop. Donc, Hogwarts Legacy, il est là. Donc, on le range ici. Tiens, c'est vrai, il y a un DLC jusqu'à 2033 pour le débloquer. Ok. Et hop là. Voilà. Voilà. Et on va s'arrêter avec. Attention, roulement de tambour. Un petit Dragon Ball Sparking Zero. C'est bon. On va continuer là-dessus. J'ai pas mal avancé depuis que le jeu est sorti la semaine dernière. J'ai fait combien de temps? J'ai fait. Trop d'heures. Oups, à croire ce que je, à se demander ce que je fais de mes soirées et de mes week-ends. Mais en même temps, voilà, c'est DBZ et tout. Je sais pas quoi penser du jeu, honnêtement. Je sais pas si je l'aime bien, si je l'aime pas, je sais pas. Je dis, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas sur Sparking Zero, mais les combats sont bien, hein, mais il y a beaucoup de choses qui restent à améliorer pour pouvoir vraiment maîtriser le jeu. Mais voilà, on va aller faire un petit tour au niveau de mes trophées. Ouais, j'ai 40% des trophées là. 19 combats en ligne. Je suis pas très bon en ligne, hein, j'avoue. On va se faire des combats en ligne, pas de. Mais ouais, je pense que le jeu, on peut le platiner. Le jeu est platinable. Voilà. Franchement, le jeu est platinable. Ouais. Ouais, le jeu est vraiment platinable. Y a pas de problème là-dessus. On va faire un combat en ligne. Allez, un petit combat en ligne. Un petit combat classé. Combat d'épée. Non, non, non. Hop, la salle d'esprit du temps, et alors. Non, non. Alors, comment on va faire?
Premier perso. Premier perso, ça va être Goku. Deuxième perso, ça va être ce Goku ici. Troisième, on va mettre c'est Goten là, ouais, c'est Goten. Je vais pas mettre Vegeta parce qu'il parce que son attaque ultime elle est pourrie. Pas qui mettre. On va mettre Broly. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je tente, hein. Je tente. Mais là, en ce moment, je suis surtout en train de me refaire les histoires et surtout les what if. Parce que j'aime bien le concept des what if, là, des scénarios alternatifs. Bon, après, la narration, elle est nulle. Franchement, la narration, elle est nulle. Il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. J'ai du mal avec le mode histoire. Et de manière générale, j'ai du mal avec le jeu, quand même. Bon, c'est... So you think you can take me, do you? Et niveau C5. Ok. Ok, vas-y. Yes! Allez! Non, mais... Là, il m'enchaîne, ce bâtard! Ah, je pouvais me transformer en Super Saiyan bleu. Est-ce que je peux? Et il va se transformer en Super Saiyan 2. Ah là là. J'aime trop la transformation. Ah le bat. Non. Ah putain. Do you want to see what I'm capable of? Non. Ah, flûte. Non! Ah! Yeah.
Allez, pour peu que ça serve. Pour peu que ça serve. Non! C'est moi qui avais... C'est moi qui avais... Ouais, il veut pas qu'il passe en bleu direct. Mais... Non, non, c'est bon. Bon, ce, à ce combat-là, je vais le perdre. Hein. Ça fait... Bah oui, non, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui! Bah oui, alors là... Ah mais je suis nul. Recherche un nouvel adversaire. Non, il a bien joué. Cherche un nouvel adversaire, on va essayer de varier un petit peu. Non, il a bien joué, il a pas... Mais voilà, il y a beaucoup de choses pour l'instant. C'est pour ça que je dis pour l'instant, j'arrive pas à apprécier pleinement Sparking Zero. Parce que j'arrive pas à maîtriser complètement le jeu. Et je pense que quand je l'aurai maîtrisé... Ce sera beaucoup mieux, mais là, en ce moment, j'y arrive pas, quoi, donc... Attends juste, recharge un nouvel adversaire. Le pauvre Vegeta, à chaque fois, à chaque temps de chargement, qui se fait marrer la gueule. Bon. Oh oui, mais c'est la même chose, c'est la même discussion que vous avez. Et pourquoi tu... Là... Voilà, ça c'est des trucs, moi j'arrive pas. Yes, yes. Allez. Do you want to see? I need to get my act together. Here we go. Vas-y, on l'enchaîne. Oui. Oui, il est mort. Ah, l'enfant que je suis. Bon, le Kaioken qui sert à rien du tout. Enough of you!
Non, non. Non! Il a abandonné ou comment ça se passe? Oui, allez. SSJ 3, SSJ 4. Let's go. Et là, son dernier perso, c'est qui? Ok. Vas-y, 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 on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne. Oh, c'est beau. Voilà, là je suis confiant. Oui. That's a lot. If it weren't for you, I would never have remembered. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Bon. Un beau combat. Retour au menu principal, je vais aller récupérer mes récompenses et puis on se refait un petit truc et puis je pense après on va s'arrêter mais... Alors, Zeno, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mais voilà, moi je suis... Ouais, je sais pas quoi penser de Sparking Zero, même l'histoire ça s'arrête à... Ça s'arrête à... au tournoi du pouvoir quand tous les univers s'affrontent. Je me dis, j'aurais bien aimé voir... Tiens, j'ai obtenu un trophée, super. Je me dis, j'aurais bien aimé, par exemple, avoir l'histoire de GT aussi. Mais ça, on l'a pas. On n'a pas l'histoire de Dragon Ball GT, je trouve ça dommage. Peut-être qu'on l'aura au final, hein, je sais pas, mais... Pour l'instant, on l'a pas. Et... Alors, Tortue Géniale, on a vu ses pieds, hein, donc... Mais bon. Bon. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire? On va revenir peut-être sur le cœur du sujet, c'est que bon, ben... À 11 ans, j'ai presque passé la moitié de ma vie à faire des vidéos sur YouTube, pourquoi pas, mais bon, voilà, et comme je l'ai dit, moi le plus dur c'est de trouver du temps, parce que si j'ai du temps, évidemment, moi je kiffe faire des lives, je kiffe faire des trucs, voilà, ça y a pas de problème, mais encore une fois, le plus important et le plus difficile, c'est de trouver du temps, et j'ai peur de pas réussir à faire ça dans l'année qui vient, donc à voir comment ça va se passer. Et voilà, moi sur ce je vous laisse et on se retrouve très bientôt. Normalement la prochaine vidéo, ce sera enfin sur la chaîne principale, ce sera la découverte de Sonic Generations. Et bah non, parce que non. Parce qu'il y a la... Non, la prochaine vidéo c'est la critique de Sonic Generations sur PS3 et PC. J'ai fait un peu des deux hein, pour préparer la vidéo, je préviens d'avance. J'ai fait un peu de PS3, un peu de PC aussi. Et voilà. Et après oui, il y aura un live sur la découverte du prochain, enfin du nouveau Sonic X Shadow Generations. Et Peace Walker, on avancera quand j'aurai le temps. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse. Très bonne journée à toutes et à tous. Et à la prochaine. Au revoir.